Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. C'est un vlog vraiment de fête aujourd'hui. Je sais que vous aimez trop quand je suis avec mes copines, mes cousines et tout, et qu'on fait la fête. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Kim. Non seulement son anniversaire, mais non seulement c'est son départ. Parce qu'en fait, elle part pendant 2 ans aux États-Unis. Comment vous dire que je suis en dépression pour l'occasion? On a décidé de profiter de la vie en ce moment. Enfin, je sais pas si vous voyez sur Snap, je vais vous mettre des extraits, mais on sort tout le temps. Donc au programme aujourd'hui, bah rien, je vais faire ma petite vie tranquillement, je vais prendre soin de moi, vous allez voir la préparation, mes copines et tout. Je sais que vous aimez trop ça. Bah écoutez, c'est parti, je commence à faire un gommage des lèvres parce que mes lèvres toutes blanches. Et c'est parti, là, je prends mon petit déjeuner. Là, je suis au salon avec ma mère, elle fait le ménage. Et moi, je m'amuse à chanter, c'est pour ça que je vlog pas trop là. Mais après, quoi? Je vais faire les vlogs tous les jours. Hein? après, je vais faire un soin du visage. Ensuite, il faut que je fasse une sieste parce que ce soir, c'est la fête jusqu'à pas d'heure en fait, genre jusqu'à 10h du matin. Il faut que je dors, il faut que je sois en place. Donc, voili voilou. Après, je vais faire quoi? Je vais faire un soin, je vais aller me reposer un peu. Je vais manger le midi. Oh putain, il faut que je fasse des nattes, les filles. Regardez mes cheveux, dans quel état ils sont. Il faut que je fasse mes nattes. Parce que ma perruque, ce sera des vieilles nattes. Hein, je vous le dis d'avance. Hein. Regardez la taille de mes ongles. Je ne peux pas faire des belles nattes. Je vais faire des grosses nattes super moches et personne ne se moque. Donc je vous reprends après. Là, je suis en train de chanter. Je fais des karaokés avec ma mère. Voilà. Maman, c'est quoi ton code? Le téléphone, il s'est éteint. Donc là, je vais me faire un gommage. Je vais prendre celui-là. Le face scrub et je vais prendre un masque. On va prendre non pas lui, un masque. Allez, on va prendre lui. Normalement j'ai un masque qui rafraîchit les yeux, je ne sais pas où il est. Je vais prendre un patch aussi pour les yeux et je vais prendre un masque hydratant avec ça. Là, je suis bien prête. Je vais aller me reposer. Je vais faire mes nattes et tout. Attendez, que ça hydrate bien ici. Hein. Voilà. Là, je suis trop moche. Bon. Maintenant, je vais aller faire mes nattes et tout. Et je vous attrape tout à l'heure. Non, mais là, les gars, vous allez dire que j'abuse. C'est vrai, j'abuse. J'ai toujours pas fait mes nattes collées. J'ai rien fait. Je suis en train de me faire à manger actuellement. Genre. Je vais me faire des gnocchis au fromage et je vais prendre deux tranches
2-3 tranches de jambon parce que si je mange pas, je vais avoir archi faim. Et ça, c'est pas le but d'avoir faim. Donc je me fais un peu à manger et puis et je mange. Après, promis, chez Ménat, déjà en plus, Dalla est déjà parti faire sa perruque. Donc c'est-à-dire que je crois que je serai en retard. Et on doit partir de chez moi à 23h. Et on doit arriver à la discrète à minuit. Donc comme c'est à 45 minutes de chez moi, étant donné que j'habite loin, bah, c'est dans les... ça correspond. Donc voilà. Allez, je vais faire manger. Les gars, c'est sûr et certain, je vais être en retard. Vous savez pourquoi? Parce que mon influenceuse préférée, alias Kenza, alias Poupette, a sorti sa vidéo de mariage et je dois grave me préparer. Regardez Ménat. Non, regardez pas Ménat, c'est crata. Mais au moins, je crains un peu. Là, et je fais comme. Je peux, mais je peux pas ne pas regarder sa vidéo. Je suis obligée. Donc là, en fait, elle est en train de mettre retard. Poupette, tu me mets retard. Tu me mets retard. Bon, les gars, j'essaie de faire vite. La natte, après douche, après perruque, après make-up, après vêtements, après... Ah oui, c'est bon. Bah oui, je vlog. Bon, là, Kim, elle est arrivée chez moi, j'allais faire une ponytail. Dis bonjour, Kim. Bonjour. Mais pourquoi je fais la meuf, t'es nouf, toi. Bon, du coup, tout ça en regardant le mariage de Poupette. Donc voilà, je finis ça et je suis à vous, les filles. Voilà, alors je vais faire un petit ponytail. Bon, faut qu'elle brosse. Vous inquiétez pas, ça, c'est que le début, hein, les filles. Hein, là, c'est... Alors ça, c'est rien. Alors ça, c'est rien. Franchement, ravalement de façade. 5. Voilà, moi maintenant, je vais me... laver. Là... Oh, tu vas me faire ça. Salut. Les filles, regardez, je suis obligée de faire quoi? Si vous voyez Ménat, vous allez tellement me critiquer, je vais finir sur Twitter, j'ai pas envie. Mais bon, là, qui m'est prête, enfin prête, non, mais au moins décoiffée, la Dalla est slave, après c'est à mon tour. Et en fait, ce soir, j'hésite entre deux talons, je vous explique. J'ai celle-ci, donc je les ai achetées à PLT. Enfin, c'est PLT qui me les ont envoyées, quand il y avait un événement, ils m'ont envoyé. Enfin, j'avais choisi, et là, cette paire-là, elle me fait pas mal, enfin, elle me fait pas mal, parce que moi, je tiens de ouf, je reste de ouf au talon. C'est juste ici, là, vous voyez, au niveau du pied, là, c'est tellement... serré cuir bizarre que ça me fait mal. Et après, j'ai mes chaussons. Je sais pas si c'est lesquels. Ah, elles sont là. Ça, les filles, c'est les chaussons. Ça, c'est pour toutes celles qui ne savent pas marcher en talons, qui ont mal aux pieds, achetez ces chaussures Zara. Vous aurez même pas mal. Et vous allez me remercier. Le problème, c'est que je les mets tout le temps, à chaque fois que je sors. Et en fait, comme je retrouve mon même truc, les gens ils vont me dire elle a tout le temps les mêmes chaussures. Du coup, je suis en pleine hésitation. Et. Celle-ci, elle va pas avec ma tenue parce que ma tenue, la couleur, elle est bleu roi comme ça. C'est celle-là en fait. Elle est bleu roi. Donc je peux pas mettre ça, c'est mort. Je peux même mettre ça parce que j'aime plus. D'ailleurs, je les donne. Prenez les filles. Donc j'hésite avec ça. Celle-ci, j'aimerais. Hein. Mais vous voyez ça, hein, ça me fait mal. Celle-là, ça va pas avec le bleu roi. Enfin, ça peut le faire, mais pff, bizarre. Celle-ci, en fait, celle-ci, c'est des chaussures en mode. Vous voyez, chaussures, tu veux au restaurant, là, tout ça, là. C'est ça. Et je veux dire où tu marches un peu, mais pas trop, pas pour danser. Celle-ci. Bon, celle-ci, les filles, faites pas attention. Il faut juste les nettoyer parce qu'on est sorti. Et en fait, là où on va, il y a de la gazou de ouf. Donc, ça veut dire qu'il faut que je lave. Bref, celle-ci, trop mal. Celle-ci, pas mal, mais c'est du rouge. Je peux mettre avec du bleu. Celle-ci, je les mets tout le temps. Et celle-ci, bon, celle-ci, je suis belle. Celle-ci, je suis en train de réfléchir. Je me dis pourquoi pas. Voilà. Bon. Les filles, comme prévu, je suis en train de faire mon faux crâne pour ma wig. En fait, je fais ça parce que j'ai l'impression que quand je fais ça, mes perruques, elles tiennent bien. Parce que quand je suis en soirée, à chaque fois, c'est tout le temps collé. Hein, mais ici, tout le temps, ça se décolle. Et à chaque fois que je fais des faux crânes, ça reste bien et ça fait grave mieux. Donc voilà, j'ai pris ça comme colle aujourd'hui. La gosse bande. Parce que rien ne doit se décoller. C'est vraiment collé, collé. Plus, purée, pardon. Attendez, je vais mettre ma wig. Je vous mets là. Voilà, ouf, c'est tellement étroit chez moi, c'est plus possible. Donc, on va mettre ma wig. Là, c'est vite fait. En fait, c'est trop bien que j'ai pris du bouclé parce que du coup, pas besoin de la lisser et tout, c'est vraiment un gain de temps. Ah, MDR. Oh, attendez. C'est tellement un gain de temps d'avoir une perruque bouclée là. Vous inquiétez pas, hein. Vous inquiétez pas les filles, ça c'est rien. Laissez-moi coller bien, faire une bête de coiffure là.
Après, je reviens vers vous. Et en fait, je vais... bon, là, il n'y a pas de volume et tout. Je vais faire du volume et je vais faire deux nattes comme ça. Et ça va faire trop bien. J'ai trop hâte. Du coup, les filles, regardez. Là, j'ai bien collé et tout. J'ai fait une natte comme ça sur le côté. J'avais déjà fait cette coupe. Et je la trouve trop belle. Dommage, j'ai pas acheté de bijoux pour accessoiriser. Mais c'est pas grave, ça fait mignon. Voilà. Là, j'ai voulu faire... je vais essayer de ce côté-là, en fait, que ça soit la même chose. C'est ça qui va être compliqué, en fait. Et je sais pas si on me voit depuis tout à l'heure. Je sais pas si je vais réussir, mais je vais réussir. C'est parti. Voilà, les filles, ce que ça donne. Attendez. Ah, donc, deux petites notes comme ça. Baby hair. Hop. Je sais pas, vous aimez ou pas? C'est trop dommage, j'ai pas de bijoux, genre. Bon, place au make-up. J'aime trop mes mèches. Je sais plus, elles viennent d'où, mais elles sont tellement belles, tellement fournies. Genre, regardez. S'il y a un peu de blanc, c'est normal. J'ai hâte que ça gonfle, comme ça va faire un petit style. Dites-moi si vous aimez en commentaire, les filles, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre avis. Moi, j'aime trop, je me trouve trop mimi. Bref, allez, au make-up, parce que je suis en retard. On est hyper à la bourre, les gars. Je vous explique même pas. Voilà ma tenue. Ma chambre, c'est le bordel. Laissez tomber. Comme talon, du coup, j'ai mis les noirs là, les filles. J'ai mis un cycliste parce qu'on sait jamais. Mon make-up, très simple. Mes cheveux, j'ai mis des petits accessoires, boucles d'oreilles. Tac. Dites-moi ce que vous en pensez. Une petite chaîne, mais comme je suis grosse, on la voit pas. Ça, c'est cool. Hein. Elle se faufile dans le truc. Mais bref, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, les filles. Kim, à toi, toi, toi. Là c'est Kim, donc Kim très sexy, très élégante, c'est son anniversaire, bien talon, bien sexy, bien diamant, ouais, bien 31 en fait. Bien... Et mamie, pousse, pousse, pousse. Là c'est Tara Leschi au fait, les filles, tu fais pas ça, remets ici. Je reviens, tu t'excuses. Pardon. Voilà. Et... Laisse-y, regarde comment tu me laisses. Et Dana bah, oui. Non, attends, je suis pas habillée. T'es quoi? Tu me laisses, mais je dis bah oui, en plus, tout ça. Waouh! Wow. Comme ma famille! C'est des débiles, moi! J'ai jamais vu des gens belles! Tu peux expliquer ce qui se passe? Alors, vous voyez, en fait, mon cousin il est censé nous conduire avec une voiture et tout. Et ils sont partis regarder un cinéma juste à côté. Et du coup, je leur ai dit sortez du cinéma parce qu'en avance, ils savaient très bien. T'es trop belle, mais vas-y, continue! Merci! Et du coup, ils sont sortis en avance, ils sont partis par la sortie, mais la sortie est bloquée. Ce que je peux comprendre. Je leur ai dit, vous avez essayé partout, on a essayé partout! 10 minutes, 15 minutes après, je leur ai dit, mais vous avez essayé, vous êtes rentrés? Bon, on va essayer. Et c'était ouvert. Ils sont cons. Ils me foutent la rage. C'est de grands cons. Et bref. Résultat. Ça fait 20 minutes d'attente. 20 minutes on attend. On est là posé parce que je suis allée en cinéma. Et Dala, Priscilla et Leslie sont en bas. Elles attendent. Voilà. On attend comme des connes. C'est des cons. Non mais en vrai. Ouais. Vraiment. Si on serait, on, si croit... on aurait compté sur nous, on serait déjà arrivé. Ils croient que les personnes là-bas. Ouais. Personne ne peut faire pipi. J'ai. En plus, elle dit, on est passé par la sortie. Parce qu'elle a peur. Elle sait très bien, elle a peur. Attends, Dala, elle a peur. Ils sont sortis du cinéma. Mais la séance, elle dure 2h28, c'est fini. Non, mais en fait, ils sont trop cons. Ils essaient de sortir par la sortie. Ils ont même pas essayé de sortir par l'entrée, en fait. Bah, ils sont sortis de la salle. Ouais. Mais ils auraient pu sortir depuis longtemps. Et là, ils sont sortis? Ouais, je crois. Quel chauffeur! Waouh! Merci! Salut! Mais ouais, je crois que c'est fermé! Mais on peut pas fermer les gens en fait! Vous pouvez pas faire pipi, genre! One time for the birthday bitch, two times for the birthday bitch, three times for the birthday bitch. Fuck it. T'es trop greux, t'es trop icy. Fais le cheval carré sur la putage. Elle est tellement sexy, je me demande si c'est réel. J'ai tellement des billets, je demande si c'est réel. Ah, c'est plus comme avant. Arrête de me parler.
I wanna see that birthday cake. Little bag on a birthday shake. I'm trying to get you to the birthday bed. You can eat. Hey, je suis rentrée. J'avais plus de batterie. On est rentré au McDo. Là, je viens toujours de rentrer. On est parti à l'after au Dal Beach. J'avais vraiment plus de batterie. J'avais trop la rage. Je voulais trop vous montrer et tout. Mais j'avais plus trop de batterie. Donc, du coup, je vous ai montré ce que je pouvais. Mais on est rentré. On est parti au McDo. Normalement, ça ferme à 10h. Mais on était trop fatigués. On n'en pouvait plus. Franchement, je pense qu'on est vraiment trop, trop vieille. C'est archi froid là. Vous me voyez comme ça. Je suis couverte. Mais c'est même pas pour faire genre. J'ai vraiment trop, trop, trop froid. Oh, je tremble, je claque des dents dans mon lit, vous avez pas idée. Ouh, bref, du coup là, je suis rentrée, j'ai pris McDo, j'ai mangé, je suis bien, je vais dormir jusqu'à 16h. Je vous reprends demain, dès que je me réveille, et après le vlog sera terminé. J'espère que vous avez kiffé ce mini vlog. Voilà, gros bisous. Go bicycle, tim tim tim, go bicycle, yo, go bicycle, tim tim tim, go bicycle.